Bonsoir. Bienvenue pour cet ultime épisode. Vous allez connaître les trois finalistes de cette édition, ainsi que le nom du gagnant lors du conseil avec les anciens. Mais avant, découvrez les derniers instants à 4, avant l'épreuve d'immunité. Je mérite ma place, même si je n'ai rien foutu. J'aimerais au moins arriver devant le jury final. J'ai réussi à tracer ma route jusqu'ici, j'espère qu'elle ne sera pas stoppée. Je suis la seule représentante de mon alliance, alors gagner serait tellement jouissif. Notre alliance tient toujours, hein ? Bien sûr qu'elle tient. Et toi, Aaron, parle. Ça tient toujours ? Oui. Il est pas expressif, le Aaron. Je ne veux pas qu'il me la fasse à l'envers avant la finale. Soyons clairs, Aaron. Ne nous trahis pas juste avant la fin. Je ne te le pardonnerai jamais si tu le fais. Je suis avec vous, de votre côté. Je voulais prouver en virant Maxime. C'est vrai, donc cette fois, tu dégageras Melinda. Tu n'as juste pas l'air déterminé, pas autant que nous en tout cas. Je ne le montre pas, mais je le suis. Je me méfie encore d'Aaron. Je ne le pense pas sincère. Je reste un peu distant, au cas où il faut faire un retournement de situation. Je reviens vers toi. Non, je ne souhaite pas m'allier à toi. Mais pourquoi ? Personne n'a besoin de le savoir. Tu aurais ta place assurée en finale. Je suis désolée, Melinda, je ne vais pas trahir Aaron et Anae pour toi. Même si je t'apprécie. Oui, mais tu comprends bien qu'il faut que je tente. Oui, mais c'est trop tard malheureusement pour toi. On a réussi à briser votre union. Et vous avez bien joué. J'espère gagner l'immunité. Je te le souhaite, même si ça me ferait très peur. Je suis navré pour Melinda, mais elle a baissé sa garde au mauvais moment. Soit je gagne l'immunité, soit il y a un rebondissement inattendu. Sinon, c'est sûr, je pars. Et toi là ? Un souci ? Vote Aaron au conseil, ce sera ton seul moyen de rester. Tu voteras Aaron toi aussi ? Peut-être. Et Anae suivra peut-être. C'est encore incertain. J'offre à Melinda l'occasion de se sauver, à elle de saisir l'opportunité, ou pas. Je sens que tout ça cache quelque chose. Fais comme tu veux, moi je t'ai donné une petite idée de comment te sortir de cette situation. Je verrai déjà ce qu'il se passera après l'épreuve d'immunité. Je m'assure de ne recevoir aucun vote au conseil en faisant ça. Je crois que je vais surtout suivre mon instinct, j'ai aucune confiance en Babette. Tu n'essayerais pas de me discréditer auprès des filles ? Pardon ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Déjà j'ai l'impression que tu m'évites, et ton regard ne trompe pas. Tu essaies de retourner le jeu, mais ça ne marchera pas. Écoute-moi bien. J'ai pas envie de perdre si près du but. Si Melinda gagne l'immunité, c'est toi qui dois partir. Si l'un de nous gagne l'immunité, aucun problème, on la votera. C'était avant qu'il fallait jouer, hors de question que tu détruises mon aventure pour que toi t'ailles en finale. Je le savais. Tu as rejoint notre alliance, mais tu nous as menti depuis le début. Non, je suis juste méfiant. Et tu me prouves que j'ai bien fait de l'être. Chacun sa stratégie. La mienne c'est ça, point barre. Je ne compte pas me laisser faire. Je voterai Babette si elle ne gagne pas l'épreuve, peu importe les alliances, je m'en fiche. Bonsoir à tous. Voici votre dernière épreuve, la plus importante. Celui qui la remporte sera immunisé, et aura donc sa place en finale assurée. Voici le principe. Je vais vous poser 8 questions sur l'aventure. Celui qui marquera le plus de points sera immunisé. En cas d'égalité après toutes les questions, j'en reposerai jusqu'à ce que quelqu'un soit le seul en tête des points. Voici les questions. Je n'ai jamais remporté d'épreuve, j'aimerais que ça arrive enfin. Si je ne gagne pas, je suis la prochaine à sortir, je le sais. Qui a été le premier éliminé de l'équipe rouge ? Qui a été éliminé face à Gabriella ?
Qui a remporté la première épreuve d'immunité individuelle? Qui est le premier membre du jury final? Qui est la première fille à avoir été éliminée? Qui est le premier binôme à avoir quitté la compétition? Qui a joué son immunité en premier? Qui a été éliminé après Xenia? Melinda, félicitations. Vous remportez l'épreuve, donc une immunité. Cela signifie que vous êtes la première finaliste de Bloc Saison 2. Rendez-vous dans quelques secondes pour le conseil. J'en avais tellement besoin. Qu'est-ce que je suis soulagée. C'était l'épreuve la plus importante, et je l'ai gagnée. Chers demi-finalistes, comment pourriez-vous résumer votre aventure en quelques mots? Inattendu. J'ai passé les étapes, une à une, et je me retrouve ici. J'avais beaucoup d'appréhension, et au final, je n'ai pas de regrets. Mon aventure était riche en rencontres, riche en amitié surtout. Ce retour en télé-réalité m'a reboosté à fond, merci à tous d'ailleurs. Dans quelques minutes, l'un de vous sera éliminé et intégrera le jury final pour départager nos trois finalistes. Je rappelle que Melinda est immunisée. Vous pouvez aller voter. Passons directement au dépouillement puisqu'aucun de vous ne possède d'immunité à jouer. Babette. Aaron. Aaron. Deux votes contre Aaron, un vote contre Babette. Je rappelle qu'en cas d'égalité, les deux candidats sont automatiquement immunisés. Voici le dernier bulletin, qui peut tout faire basculer. Aaron. Aaron, avec trois votes contre vous, vous quittez l'aventure aux portes de la finale. Bravo pour votre parcours. J'ai la pire des places. Je pense que je méritais d'aller en finale, mais j'accepte ma défaite. Je suis heureux d'être arrivé jusqu'ici quand même. Tu étais trop hésitant dans notre alliance, désolé. Une finale de filles serait cool, donc faut que tu partes bébé. Tu as un parcours exemplaire malgré ta trahison. Je t'imagine bien gagner, et donc me passer devant. J'ai pas aimé ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as été trop vicieuse dernièrement. RE à tous. Sur l'écran vont s'afficher les photos des candidats de cette saison, par ordre d'élimination. Vous pouvez donner votre avis sur chacun, sur leur parcours afin de clôturer cette édition. Pour avoir été dans son équipe, je l'ai trouvé très sincère. Il avait un bon fond et voulait changer de comportement. Il aurait pu aller loin s'il n'y avait pas eu Cyrine. Encore quelqu'un de mon ancienne équipe. Très drôle et très gentil. Trop gentil même. Il est parti face à Gabriella, mais Gabu méritait plus sa place. Cela reste mon avis. Encore un ancien bleu. Faut dire qu'on a subi les conseils au début du jeu. Trop discret, et c'est sa discrétion qui l'a rendu potentiellement dangereux. On ne sait pas ce qu'il avait en tête. C'est qui ça? Henriette.
Elle a perdu face à Finn dans une épreuve éliminatoire. Elle aurait apporté un truc en plus si elle avait réellement intégré le jeu. Mais je ne pense pas qu'elle aurait été loin. Je pense pas non plus. Irrespectueuse, c'est mon pire souvenir de toute l'aventure. Je pense qu'elle doit continuer de se remettre en question. Elle est sur le bon et le droit chemin. Il n'a pas su choisir son clan, il était trop indécis. C'est un petit con, mais il n'est pas méchant. Gros caractère. Elle a fait les frais des immunités jouées au conseil, elle n'a pas su être stratège. On en a largement profité. Départ que je regrette, il aurait pu nous aider dans notre alliance. Trop fourbe, heureusement que j'ai cerné son jeu. Totalement d'accord avec Anae. Pour moi, c'était le plus imprévisible de toute la saison. Une queen partie trop tôt. Elle pouvait retourner la maison avec quelques mots seulement. C'est la preuve que les caractères explosifs peuvent vite partir ici. C'était ma meilleure alliée. Elle est partie comme elle est venue, sur une épreuve. Gabi est quelqu'un de bien, je serais ravie de la revoir à l'extérieur. Trop stratège, trop fourbe, trop vicieux. Vous le connaissez pas, c'est tout. C'est un vrai mec, j'aime ça. Mon ami, si je pouvais échanger ma place avec elle, je le ferais sans hésiter. Elle a subi notre stratégie, c'était le seul moyen de la sortir. Elle était trop forte. Une grosse folle. Un personnage qui a marqué cette saison. On avait fait le tour de la personne, il n'apportait rien de plus ici. J'aimerais tout de même souligner son honnêteté et sa fidélité. Le dernier mec. Il a fait un beau parcours. C'est celui qui avait le meilleur jeu, je trouve, tout en subtilité. Ça fait bizarre de voir le visage de gens que j'ai zappé. On ressent la faim, ça me fait un petit pincement au cœur. J'ai beaucoup aimé partager cette aventure avec tous ces candidats. Bonsoir à tous. C'est l'heure de la finale. Chaque membre du jury a voté pour désigner la gagnante de cette deuxième édition. Qui de Anae, Babette ou Melinda gagnera? Avant de connaître les résultats, voici nos trois finalistes. Il y a en tout 8 bulletins. En cas d'égalité entre deux finalistes, c'est la troisième qui les départagera. Voici le dépouillement des votes. Melinda. Je vote pour Melinda tout simplement car c'est une ancienne rouge et la plus honnête à mes yeux. Babette. Tu as été mon soutien durant cette aventure à mon tour de t'aider. Anae. Je me suis rapidement intégrée au jeu grâce à toi, merci. Anae. C'est Élise qui parle. Tu dois gagner pour honorer l'ancienne équipe bleue. Babette. Je préfère te donner mon vote plutôt que de le donner à une manipulatrice ou une grosse boule puante.
Il y a actuellement 2 votes pour Anae, 2 pour Babette, et 1 pour Melinda. Il reste 3 votes à dépouiller. Melinda. C'est une évidence. Tu dois gagner. Melinda. Je repense à l'alliance des 4. Jusqu'au bout, tu auras mon soutien. 3 votes pour Melinda, 2 votes pour Anae, 2 votes pour Babette. Il nous reste à découvrir un bulletin, celui de Damien. Si Damien a voté pour Melinda, elle remporte cette 2e saison de bloc. Voici le résultat du dernier vote. Anae. Tu as eu le meilleur jeu à mes yeux. Tu as su tout mettre à ton avantage, chapeau. Égalité entre Melinda et Anae. Malheureusement pour Babette, elle ne récolte pas suffisamment de votes pour gagner. C'est donc elle qui va trancher. Babette. À qui souhaitez-vous apporter votre soutien? À qui va votre vote? Qui souhaitez-vous faire gagner cette 2e édition de bloc? À mon tour de voter donc. Je repense à tout le jeu. Et pendant toute l'aventure, j'étais en rivalité avec le clan de Melinda. J'ai aussi rejoint l'alliance d'Anae, et c'est en partie grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Mais tout ça ne compte pas, je veux être objective. Pour moi, celle qui mérite largement de gagner est... Anae. Anae, félicitations. Vous succédez à Fatima. Merci à tous d'avoir suivi cette saison très particulière. Peut-être qu'un jour une 3e édition totalement différente verra le jour. Qui sait? Retrouvez très prochainement la 5e saison de Secret Story Sims sur la chaîne. Bye. Je sors 3e du jeu. C'est pas une mauvaise place. Je repars avec beaucoup de souvenirs. Merci à mon clan pour son énorme soutien, même à Aaron. Je pars sans regret, j'ai vécu mon jeu comme je souhaitais le vivre. Merci à tous. J'ai pas les mots. Je suis arrivé avec un désavantage, celui de ne connaître personne et d'être un cas isolé. Au final, je me suis intégré, j'ai rencontré des gens magnifiques, et je remporte l'émission. Je souhaite aussi remercier tout le public qui, de loin, m'a soutenu. C'est une preuve que dans la vie, même si on n'a pas tous les mêmes chances au départ, c'est nous qui pouvons faire bouger les choses. Merci. Abonne-toi en cliquant au centre. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne. Et dire que je ne suis même pas payé pour dire tout ça. Toi, tu as vraiment regardé la vidéo jusqu'au bout.